Jodi a n'a fêté drapeau nous. Nous toujours fiers pour nous dire nous c'est haïtien. Mais faut que nous pas jamais oublier ça. Gen un pile travail pour nous faire pour nous kembe fierté ça. Frem sem fierté marché ak action. Ça veut dire nous gagnons une gros belle histoire pour nous goumer ak tout problème sa yo. Jodi a c'est un grand jour dans l'histoire pays d'Haïti. Côté n'a commémoré 221e anniversaire drapeau nous. Cependant, fête ça a commémoré dans un contexte très difficile côté Haïti. Préparez-le pour recevoir plusieurs militaires étrangers. Ça qui pas fait fierté nous comme peuple. Situation ça lié directement ak problème division chire pit kap taye banda nan société noire depuis plusieurs années. Commémoration 221e anniversaire drapeau ça doué yon moment réflexion pour tout haïtien par rapport ak sa ki représenté devant nous comme défi. N'ap gade ki pi bon et stratégie nous kap mette sous pied pour nous arriver à changer les conditions socio-économiques de la population. Spécialement, madame Sarayo, malheureusement, nous constatons que c'est la bataille des acteurs politiques qui vient plus serrée, avec seul objectif d'accaparer le pouvoir. Pendant, ils mettent tout côté, tout intérêt nation. Chaque leader dit c'est eux qui sont capables de développer le pays. Mais pourtant, Haïti toujours a marqué pas en place. Sans yon pas reconnaître unité ce seul moyen qui est capable de faciliter le développement fait indépendance pays. Haïtien doit profiter de 121e année existence drapeau bleu et rouge là. Dans cette mouille, te bataille pour te créer, pour mettre Haïti sur rail développement. Non combat toute forme exclusion, discrimination, injustice, insécurité, la misère et renforcer production nationale. Nous devons battre pour nous gagner un bon état de droit avec l'état qui est là pour défendre l'intérêt peuple haïtien sans distinction, sans pas gagner différent entre moun la ville et moun en dehors, moun section yo, moun habitation yo. Mais cependant, pour nous gagner bataille ça, nous avons besoin de courage dans cette nouille. Nous avons besoin de toute unité pendant que nous prenons protection pour nous pas venir ennemi ou peut-être pas. Nous avons cherché entente sur tout ça nous gagnons comme mésentente. Et d'accord, sur ça nous gagnons comme désaccord. C'est unité ça qui permet nous reprendre fierté nous comme yon peuple. C'est même unité ça tout qui pourrait permettre nous résoudre problèmes de sécurité, la vie chère, chômage et puis renforcer production nationale. Unité ça doit établir dans tout secteur principalement madame Sarayo qui représentait pilier économique haïtienne. Ça qui permet yo de plus moyens bon gens crédit à construction bon gens marché public. Ça qu'a fait pour yo mener activité yo en toute sécurité. Nous remercions toute madame Sarah, tout ouvrier, tout travailleur, tout professionnel qui décide mettre main nous dans patlan pour nous sauvegarder stratégie. Yon l'autre fois encore, m'a dit nous bonne fête drapeau à tout haïtien spécialement madame Sarah yo. Vive madame Sarah. Vive drapeau nous, vive pays nous qui c'est Haïti. En ce 18 mai que nous commémorons la création de notre drapeau tout en saluant et respectant la générosité de Catherine Flan qui nous avait rendu la force de nous réapproprier la faveur et les aspirations qui ont conduit à la victoire de 1804. Unissons-nous à l'instar de nos ancêtres
qui nous a donné notre cher et fier Haïti pour le faire fructifier au bénéfice de ses enfants. Unissons-nous et dans le respect, pensons nos blessures mortelles, aussi profondes soient-elles, pour renforcer notre symbole, l'union fait la force. Nos ancêtres avaient également compris que la fraternité et la solidarité doivent constituer les racines de la nation. En ce temps de crise et d'incertitude, efforçons-nous élever au-dessus des intérêts exclusivement, individuellement et claniques qui ne feront d'ailleurs aggraver nos malheurs et pourraient causer l'effondrement total de notre société. Que la célébration de la fête du drapeau 2024 insuffle celle d'une nation réconciliée avec elle-même enracinée de ce « l'union fait la force ». Fier de son passé et déterminé à relever les défis de son avenir. Laissons-nous guider par l'esprit des créateurs et créatrices de notre drapeau. Unissons donc à nouveau nos forces en vue d'améliorer nos conditions d'existence actuelle du peuple ainsi que de construire un avenir lumineux, prospère et épanouissant pour les générations futur. Bonne fête du drapeau. Vive Haïti et vive Ramsa. Moi fais clairin et vous foubi à base de 25 racines. Li bon pour gaz, li bon pour infection interne. Ça veut dire que son multiservice qui fait un dernier fini garçon. Est-ce que vous êtes habitué à exposer vous foubi déjà? Oui, bien sûr, toujours dans Ramsa. Étant au mois de Sarah, je dis à cette jumée, comment vous êtes en pleurs fait ça? Est-ce que c'est toujours même bagaille auparavant? Dis-nous, parlez-nous de journée ça, comment vivez-vous? C'est la première fois que j'ai fait le drapeau en dedans de Sarah. Je vais te dire à la loi, tom tom. Qu'est-ce que le 18 mai a représenté pour vous? Il représente un pile de bagaille pour nous. Est-ce que chaque 18 mai, vous pouvez toujours participer à la foire pour pouvoir manger? Et pas seulement le 18 mai, seulement. Tout au cas, depuis la foire, nous sommes toujours là. Vu avec l'autre année passée, comment est-ce que l'année ça? Est-ce que l'année a la gain la vente? Est-ce que les bagaille est plus ou moins facile? Dis-nous comment ça est pour vous. Ben, yo pas facile même parce que depuis matin nous là manger à préparer nous beaucoup même vendre la donne nous beaucoup ouais monde venir acheter sont à gros bagarre petit pas de 18 mai ça t'a dit m'a demandé pour nous venir y a venir là y a une belle bagaille pour venir acheter venir n'a pas yo pour venir acheter